aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous en avais parlé lors du journal créatif, ça y est, je me suis décidée, je vais commencer une nouvelle broderie. Et cette broderie, ça va être un HAED, oui. Oui, encore. Mais je voulais montrer cet HAED. Ça y est, il joue, il fait le foufou. Je vous le remets en image ici. Donc, c'est le Mini Asian Fantasy 3. Voilà. Fifi aussi arrive. De Graciana Zielinska. Voilà, je ne sais pas si je prononce bien, mais bon. Donc, j'ai décidé de le commencer. Je le ferai à la vitesse que... Voilà. Hein? on verra bien. Ça avance plus ou moins vite, mais bon. Alors, là, il va y avoir 89 couleurs uniquement. C'est un 229 sur 330 points, voilà. Niveau taille, alors attendez, j'ai mis, alors j'ai tout rangé là-dedans. Voilà, je ne sais plus où je l'avais eu celui-là, si je retrouve, je vous remettrai, mais vous pouvez le trouver dans toutes les boutiques que je montre en partenariat. Bon, pour l'instant, je cherche le la fermeture éclair. Voilà. Alors, j'ai mis mon papier ici. Hop. Pas préparé, la fille, hein, comme d'hab. Alors, le dessin en lui-même va faire 37 cm sur 53. Bon, ça va. Et donc, j'ai besoin d'une toile de 47 sur 63 cm, en comptant une marge de 5 cm. Bien sûr, je n'allais pas racheter de toile. Je vais faire avec ce que j'ai. Alors, j'ai déjà préparé ma boîte. Voilà. Hop, je vous montre. Voilà. Toutes les couleurs. Donc là, elles y sont toutes. J'ai tout bobiné, j'ai tout. Comment? Alors, j'ai besoin de deux ou trois couleurs en double, mais ça, c'est pas grave. Alors, je sais que je les ai, mais bon, du coup, je les ai pas bobinées maintenant. Je les bobinerai le moment venu. Voilà. Alors là, par contre, j'ai quand même marqué dessus que c'était la HAED de la petite japonaise. Voilà. Et je vais prendre ma toile. Alors, je ne sais pas si pour les grands ouvrages, c'est... Alors, je n'ai plus de... J'en attends un. Voilà. Je n'ai plus en ce moment de QuiSnap. Ils sont tous occupés. Mais j'en attends un normalement. Oui, j'en attends un, je crois, je sais plus. Mais bon. Donc, je l'ai mis sur mon grand cercle rouge. Oui, il est rouge. en plastique. Voilà. Et donc, je vais broder sur une toile étamine 12.6 fils. En easy count, voilà. Donc là, j'ai fait une petite marque supplémentaire au stylo friction pour que je repère où je commence. Alors, la marge va être, j'ai pas pu faire vraiment plus, c'est vraiment limite ma toile, mais du coup, ça va quand même. Alors, je m'étais prêt. Ah oui, l'aiguille est là, voilà, c'est bon. Je croyais que j'avais perdu mon aiguille déjà. Donc, je vais commencer cette toile avec vous. Je vais me servir, bien sûr. Alors, la vidéo Pattern Keeper va arriver cette semaine. N'ayez crainte.
Je vais me servir de mon pattern keeper pour le faire, puisque là surtout c'est un HAED, donc pour le suivi de ma grille, c'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben, rien pour l'instant. De toute façon, si vous avez des questions, vous en posez en barre d'infos. Alors, je vais commencer avec vous à le broder. Je ne sais pas combien de points je vais faire aujourd'hui, on verra, hein. C'est vraiment le tout début, c'est pour dire de la démarrer. Oui, si Fifi veut me laisser tranquille. Tu veux me laisser tranquille? Maman, elle va installer ses pinces, donc il va falloir retirer tes papattes. Voilà ma première pince, ma deuxième pince. Non, mais je crois que j'ai pas besoin de mes pinces de toile. Attention tes pattes. Attention tes papattes. Voilà. Alors attendez, je vous descends un petit peu. Et je mets mes pinces ici, vous voyez? Hop. Voilà. Là et là. Je vous. Ça va? Vous n'avez pas eu mal? C'est pas la première fois, hein, que je vous fais tomber. Et donc, je vais mettre ma toile sur mes pinces et voilà. Je vais préparer ma loupe ici. Voilà. Comme ça, je vois bien. Bon, je ne l'ai pas encore allumé, hein, mais. Ah! Attention les yeux! Voilà. Je vais vous changer de place. Je vais vous mettre en hauteur pour que vous puissiez voir ce que je fais. Je vais ranger Fifi au passage. Je finis de m'installer et on se retrouve tout de suite. Voilà, alors j'espère que j'aurai réussi à vous mettre à l'écran ma tablette en même temps, enfin l'écran de mon pattern keeper. Voilà, donc je ne sais pas si j'aurai réussi à le mettre à droite ou à gauche, mais bon, on verra bien. Là, c'est en train de. Je filme la tablette en même temps. Donc voilà, on va essayer au mieux de commencer cette broderie. Voilà. Hop. Donc, on va commencer ici et le carré de 10 cm. Voilà, ça fait 4 petits carrés. Je vais prendre mon aiguille. Alors, j'ai pris mon aiguille boule. Je ne sais pas si vous allez bien voir là. Voyez, voilà. Mon petit aimant à aiguille, là vous le voyez pas à l'écran, mais c'est pas très grave. Alors on va commencer donc. Par cette couleur là, donc c'est le 38-34. Alors 38-34. Bon, je sais mieux. Ah, c'est ici. Voilà, je l'ai. Voilà. Oh là, attendez.
voyez, quand on m'envoyait des messages en même temps, j'ai peur que ce soit passé à l'écran en même temps. Bon, c'est pas très grave. On va prendre un fil. Je vais vous zoomer après. Et voilà. Allez, je vous zoome. Alors, c'est le troisième. Alors, j'ai pas l'habitude avec les toiles EasyCount, parce que c'est la toute première fois que j'en utilise une. Donc, j'espère que ça va aller. Je vérifie. Alors là, je suis un peu loin de ma toile, du coup j'ai un peu de... Parce que pour filmer, voilà, c'est un peu plus compliqué. J'ai pu voir que les couleurs, du coup, pour cet ouvrage, sont assez... Elles sont assez chouettes. Est-ce que je vous ai mis le flash pour vous? Ben non, voilà, c'est mieux avec le flash, même pour moi. Voilà. On y voit mieux. Je vous rassure, avec ma lampe loupe, je vois très bien, hein, mais. Alors, je perds énormément mes cheveux, et ce qui fait que j'ai toujours des cheveux, je brode des cheveux en même temps. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce genre de toile, donc c'est une toile EasyCount, et les traits partent au lavage. Voilà, bon, mais moi ici, comme ça va être une couverture totale, je ne crois pas que je vais laver ma toile. Je crois que je la laisserai telle quelle.
Je sais qu'il en existe avec des carrés de 10-10. Mais là, bon, j'ai eu comme ça avec 5 points sur 5. Je les ai eus sur la boutique de mère en fille. Alors, j'ai pas encore fait mes canettes où je mets des aimants. J'en ai pas fait pour cette toile-là. J'en ferai cette semaine. Je vous montrerai comment je les fais. Bon, c'est tout simple, hein, je vous l'ai dit à la vidéo dernièrement. Il n'y a rien de compliqué pour les faire. Là, ce que je veux aujourd'hui, c'est d'abord faire mes premiers points avec vous. Voilà. Voilà. Alors attendez, je vais régler un truc translucide. Voilà. Voilà. Je préfère ces couleurs-là. Alors maintenant, on va faire celle-ci. Alors celle-ci, ça va être la 550. Alors 550, je sais que ça va être un violet, puisque c'est avec cette couleur-là que je fais mes pans royaux. Donc le 550, il doit être à peu près ici. Oui, voilà. Je prépare mon fil. N'inquiétez pas, hein, je suis là. Je suis parce que là, je suis peut-être hors champ pour préparer mon fil. Voilà. Allez, on continue.
Je sais que j'ai oublié de mettre une chose. Que je vais commencer par le premier carré, mais après j'ai oublié de mettre une chose, c'est de marquer mes diagonales. Où elles sont mes diagonales? Là. Hop. De du haut à gauche vers le bas à droite. Crois que ça va. On va vérifier. Non, c'est pas ça que je veux. C'était dans l'autre sens. Alors, hop, hop, voilà. Alors, moi, je vais faire le premier carré. Voilà, ça va être mon point de départ. Mais après, je vais travailler que en diagonale. Voilà. Donc là, ma diagonale se termine ici. Voyez? Donc là, normalement, j'aurais pas dû le faire. C'est parce que j'ai complètement zappé. Mais bon, c'est pas très grave. Donc, je vérifie que c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, je suis bon. Désolée, je parle pas beaucoup. Je suis concentrée. Vrai que quand je brode, c'est très très rare que je papote. Alors dites-moi en commentaire si si vous faites des achats ED. Bon, je crois que je vous avais déjà posé la question, mais bon, c'est pas très grave. Est-ce que vous faites des achats ED? Quel modèle vous faites en ce moment? Et vous travaillez comment? En ligne, en carré, en diagonale voilà. Alors, je sais qu'il y a des termes anglais, mais vous savez que moi et l'anglais, on n'est pas copains, donc voilà. Sais qu'il y a le Cross Royal ou Royal Cross, il y a enfin, il y a pas mal de termes, mais bon. Voilà, je repars en diagonale là. Donc, je dis les points que j'ai fait là, j'aurais pas dû les faire, mais bon, ce n'est pas grave.
Alors, des fois, je fais des croix entières, des fois, je fais des mi-croix et je fais un aller-retour. Moi, le principal, c'est que ce soit brodé. Si c'est pas très, je fais pas vraiment comme il faut, mais bon, c'est ma façon. Alors, je sais pas quel rythme je vais, puisque j'ai deux HAED en cours et il y aura la steampunk aussi. Je ne sais pas quel rythme je vais faire. Une semaine la japonaise, une semaine le paysage, une semaine la steampunk, peut-être. Je vais peut-être faire comme ça. Je verrai. En sachant que je consacrerai certes peut-être ou même certainement une journée entière sur mon HAED chaque semaine. J'ai pas l'habitude avec les lignes là, ça me perturbe un petit peu. Bon, je vais m'y habituer, hein. Sais que beaucoup d'entre vous font des lignes sur leur broderie au stylo. Bon, moi, ça, je le fais pas. Comme je dis, hein, chacun sa façon de faire. Le principal, c'est qu'on y prend du plaisir, que ça plaît. Bon, je trouve plus le trou. Ah, voilà. Alors, j'en suis où? Alors, j'espère que ma capture d'écran sur ma tablette fonctionne. Je verrai au montage.
cas, je crois qu'elle va être très très belle. Et en plus, je suis très contente qu'on m'ait... Bon, on me l'a... C'est un de mes abonnés qui me l'a offert. Ça fait déjà un petit moment, mais bon, je n'avais pas encore eu l'occasion de commencer cette broderie. Maintenant, c'est chose faite. Voilà. Alors, je suis là. Vous voyez, ma diagonale est en train de se faire. Et là, je vais stopper mon fil, le parquet. Voilà. Hop. Voilà. Alors, de toute façon, je vais pas faire très très longtemps aujourd'hui. Hein. Je vais continuer. Alors, je vais refaire une couleur, celle-ci. Voilà, la 154. Et je vous dis, la vidéo ne va pas durer très très longtemps aujourd'hui. Bon, je vais voir si je termine. Si je continue un peu ma diagonale avec vous. Voilà. Ah là là, je me patouille les... Je me mélange les pinceaux avec mes fils. Voilà. Hop, et là, j'ai dit que c'était le 154. Voilà. Donc c'est celui-ci. Voilà. Alors, la couverture totale, comme les achats ED, c'est pas mal aussi, hein, de toute façon. Bon, c'est un travail beaucoup plus long, ça c'est sûr. Mais si on n'est pas pressé, ou alors si vous ne voulez faire qu'un seul ouvrage, bon, ben, allez-y. Mais en sachant que le HAED va vous durer plusieurs mois ou des fois plusieurs années. Donc, à vous de voir si vous voulez ne faire que celui-là, par exemple, et espérer que vous ne... Comment? Que vous ne vous ennuyez pas à... Je vois que j'ai déjà fait une erreur. Bon, c'est pas grave, on la verra pas. Ah, ça commence bien.
Ouais, parce que faire qu'un seul ouvrage quand ce sont des grands comme ça peut être lancinant. Bon, les deux points qui sont pas faits là-haut, je les ferai par après, parce que c'est deux couleurs différentes. Et comment? Ben, il n'y en a pas ailleurs, pour l'instant. Donc, je vais voir. Sinon, je vais refaire une de ces couleurs-là. Puis, voilà. Des fois, quand il n'y a qu'un seul point à faire, on peut tricher un peu. Hein. Ça ne se verra pas. Sauf si ce point tout seul marque un détail, bien sûr. Mais là, ce n'est pas le cas, donc. Alors ce modèle, niveau points, il y a 75 570 croix à faire, à broder. Voilà. C'est pas un des plus grands, hein. Loin de là, hein. Il y a des HAED où il y a énormément, énormément de points à faire. 100 000, 200 000. C'est pour ça que je vous disais, faire un HAED, c'est pas mal, mais prenez un petit truc à côté. Si vous êtes mono en cours, prenez quand même un deuxième en cours pour ne pas vous ennuyer sur celle-ci. Ah, j'ai tiré trop fort mon fil. Je me suis enlevé de l'aiguille. Voilà, c'est pas grave. On remet et c'est reparti. Voilà. Et on va parquer son fil donc ici. Non, j'ai piqué. J'ai pas piqué dans le bon trou. Voilà. Donc je fais une demi-croix et je ressors mon fil. En bas à gauche, vous pouvez ressortir en bas à droite, ça vous faites comme vous voulez. Donc voilà, ma première diagonale est faite. Non, j'ai encore une couleur, mais bon, il n'y aura qu'un seul point. Allez, ah. Et celle-là, je l'ai parquée. Voilà.
Donc là, on est déjà une demi-heure, hein, quand même. Allez, on va faire cette petite couleur là. Il n'y en a qu'une. Il n'y aura qu'un seul point. Enfin, pour cette diagonale. Oh là là, j'ai deux mains gauches ce soir, je vous assure. J'ai deux mains gauches. Alors, hop, voilà. Et c'est la 791. Alors là, j'ai la 92, 91, c'est ici. Ça va être un bleu. Voilà. J'aime bien les petites étiquettes comme ça, vous voyez, c'est celle que j'ai dans les partenariats. L'étiquette, souvent, a la couleur du fil approximatif, hein. Mais voilà. Oh là là, je vous le dis que j'ai deux mains gauches, c'est pas possible ça aujourd'hui. Voilà. J'ai trop brodé aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai brodé. J'ai brodé ce matin jusqu'à 1h15 à peu près. Parce qu'après-midi, l'après-midi, j'avais un rendez-vous. Et quand je suis rentrée, j'avais des choses à faire par rapport à mon rendez-vous. Donc, j'ai pas ressorti de broderie. Mais j'avais fait le sale de colibri. Oula. Excusez-moi. J'avais pas vu que ça avait flouté. Je travaillais sur le colibri, ouais. J'ai fait pas mal. J'étais pas loin des 500 croix, je crois, de mémoire. Et normalement, oh mince, je vous dis que ça va pas ce soir. Normalement, alors si vous êtes sage, samedi vous verrez peut-être une broderie de terminée. Si vous êtes sage, hein, uniquement. Voilà, ma diagonale est terminée. Alors, je vais aller parquer mon fil ici, puisque le prochain, ce sera là. Alors, je trouve le trou, oui. Voilà. Bon, j'ai pas fait beaucoup de croix là hein, pour l'instant avec vous. J'en ai fait combien? 59. Mais voilà. Ça, c'est le début. Alors, je vais peut-être encore avancer dessus un peu hors caméra. Si j'ai avancé donc encore un peu, je vous mettrai. La photo, voilà, à la fin de la vidéo. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo, bon, elle n'a pas été très longue, je suis désolée, mais je voulais poser mes premières croix avec vous pour ce nouveau HAED. Donc, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez déjà fait cet ouvrage ou pas, ce HAED. Alors, je ne sais pas s'il est encore en vente sur. Sur la boutique, je regarderai. Si j'ai encore le lien, je vous le remettrai. Voilà. Et bon, en attendant, nous, on va se retrouver très rapidement
pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bisous, bisous.